Chers amis, ce forum en ligne touche maintenant à sa fin. Je vais donner la parole au Père Ramzi Saadé du diocèse de Paris pour le mot de la fin et sa bénédiction. Je vous rappelle notre forum en présentiel le 6 février à l'église de la Trinité à Paris. Je vous invite à être présent si vous le pouvez. Nous aurons de très nombreux intervenants, Rémi Brague, Jean-François Chemin, Marc Fromager, Monseigneur Aupetit, le Père de Gélis et bien d'autres. Nous aurons aussi, pour ceux qui ne peuvent pas être présents, un prochain forum en ligne où je serai heureux également de vous retrouver. À bientôt. Bonjour à tous. Je suis le Père Ramzi, chargé pour le diocèse de Paris de travailler avec les paroisses pour améliorer l'accueil des convertis qui viennent du monde musulman. C'est un projet qui commence petit à petit à prendre forme et auquel vous êtes tous appelés à collaborer. Chacun dans sa paroisse, bien sûr, ou si vous le sentez en direct, n'hésitez pas à me contacter. Nous arrivons donc à la fin de cette journée, Forum Jésus-Messie. Merci à chacun d'avoir participé à ce forum virtuel, ou je dirais plutôt à ce forum sur Internet, puisque nos rencontres étaient bien réelles. Réjouissons-nous, comment du mal de ne pas pouvoir nous rencontrer physiquement, un bien a pu émerger, puisque nombreux et de divers pays sont ceux qui ont pu suivre les enseignements et témoignages de ce forum. Vous voyez, nous vivons une période d'épreuve avec cette pandémie. Cette pandémie a accentué les difficultés économiques, le manque de relations et de vie sociale. Mais gardons en mémoire aussi que ce temps d'épreuve est comme toujours un temps de grâce, un temps où Dieu vient planter sa tente au milieu de nous. Rappelons-nous que dans les Écritures, Dieu était toujours auprès de son peuple, qui vivait parfois des épreuves terribles, même si celui-ci n'arrivait pas à voir l'action de Dieu au moment même. D'ailleurs, souvent, il comprenait comment Dieu était présent en faisant mémoire, en voyant son action longtemps après l'épreuve. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. Il est Emmanuel et nous nous préparons en ce temps à l'accueillir encore une fois. Toute notre vie est un avant, puisque tout au long de notre vie, nous nous préparons à accueillir Dieu, à entrer en relation. Nous nous préparons un jour à ce face-à-face avec lui que nous aurons l'occasion de vivre. Mais comme les athlètes qui s'entraînent pour la compétition finale, nous nous entraînons à mieux connaître ses visites, à nous rendre compte de sa présence, à le voir dans les événements parfois les plus banals de notre vie. Je prierai en ce temps pour que notre charité se fasse inventive, comme nous le demande saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. J'espère que les échanges que nous avons eus durant cette journée nous motiveront pour trouver de nouvelles méthodes, un nouveau souffle, une charité, une joie surhumaine pour sortir de nous-mêmes et aller vers nos frères musulmans afin de les aider dans cette rencontre du Christ. Osons porter cette bonne nouvelle aux personnes que nous côtoyons, aux musulmans en premier, ceux que nous connaissons ou ceux que nous rencontrons, au travail, dans la rue, sur Internet, dans l'immeuble. Annonçons le Christ, bien sûr, avec charité et délicatesse. Portons Jésus au monde humblement, comme l'a fait Marc. Offrons des évangiles et laissons la parole transformer les cœurs. Ce n'est pas nous qui convertissons, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va venir transformer le cœur de chacun. Soyons témoins joyeux et audacieux de l'amour de Dieu. Aussi, notez dans vos agendas la date du 6 février, parce que le prochain Forum Jésus-Messie qui aura lieu à Paris aura lieu à cette date-là, le 6 février 2021. Il se tiendra, en espérant que nous pourrons le faire en présentiel, il se tiendra à la paroisse de la Trinité, dans le 9e arrondissement. En fin de cette journée, je vous bénis dans votre mission de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.